prochaine, aujourd'hui je me transforme en zombie, c'est un peu banal et en même temps indémodable. Ce make-up c'est pour une collaboration sur Instagram avec des copines. Donc voilà, je me suis inspirée de pas mal de photos que j'ai trouvées sur internet sans vraiment en avoir une seule qui se démarquait. Donc j'ai un petit peu fait mon truc à ma sauce, en improvisant, vous verrez tout au long de la vidéo, je fais un petit peu n'importe quoi. Mais voilà ce que ça donne, un zombie plein de sang, dégueulasse, avec des cheveux vraiment immondes. Oh putain, les cheveux qui se collent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à plus tard, à la fin de la vidéo, je sais pas quoi dire, je suis crevée. Je suis vraiment horrible. Alors, bon, je sais pas du tout où je vais là, hein, comme d'hab. Je vais commencer par mettre la bald cap, donc je sais pas comment dire en français. Hein. Le gros préservatif, c'est très... Ouch! Ça fait hyper mal ce truc. Je vais la découper parce qu'elle est beaucoup trop grande. Bon, j'arrive pas à faire mieux parce qu'elle est légèrement pointue ici. J'ai beau la découper, la tirer dessus, en fait elle est pas du tout à ma taille. Je suis peut-être pas très douée non plus. Bon, j'arrive pas à faire mieux. Je vais maintenant mettre du latex sur les bords. J'y vois rien là. Je suis pas une grande fan de la bald cap, j'ai du mal en fait. Je laisse sécher et je vais mettre de la poudre translucide par-dessus. Bizarre. Ok, j'ai pas réussi à cacher mes sourcils avec la bald cap, donc je vais les camoufler avec la colle comme d'habitude. Allez, on met de la colle. Ensuite, on prend une éponge, de la poudre et on met une couche de poudre par-dessus la colle. Voilà. Et puis, on recommence l'opération si nécessaire. Ça dépend de la quantité de sourcils que vous avez et puis de la couleur. Moi, ils sont quand même assez noirs et touffus. Je vais faire l'autre œil hors caméra. Alors maintenant je vais dessiner les contours de mes blessures, je vais en avoir une sur la bouche et puis je pense une ici, comme si je m'étais pris un coup de hache. Donc c'est parti, on va dessiner grossièrement la première blessure. Ensuite, on va avoir une blessure qui part à peu près d'ici. Et on va en mettre une sur le nez. On va en mettre une par là. Ok, maintenant je vais utiliser cette couleur un peu chair basique et je vais la déposer tout autour des blessures. Et ensuite on va travailler la peau de zombie, donc je vais rajouter des bleus, une peau cireuse, une peau de cadavre. Hein. Alors maintenant je vais commencer à donner... Oh, c'est flou. Je vais commencer à donner un peu plus de réalisme à ma peau en rajoutant des couleurs. Alors, je vais commencer par mettre du marron. Ce que je veux en fait, c'est vraiment que ma peau soit dégueulasse en fait. Ça donnera un effet de bleu quoi. Ok, on va rajouter d'autres couleurs. Donc je suis en train de mettre un violet très foncé là, un petit peu partout, pour faire un effet un peu de bleu. Ok, on va mettre d'autres couleurs. Je vais mettre du gris maintenant, un petit peu. On va mettre des touches hein, un petit peu plus foncées. Voilà. On va rajouter d'autres couleurs. Hein. Je vais mettre une espèce de orange dégueulasse. Ah, c'est pas le maquillage le plus glamour que j'ai fait. Hein.
Qu'est-ce que je suis moche. Alors, pour accentuer cette peau... Oh merde, j'ai mis trop. Pour accentuer la peau cadavérique... Eh ben voilà, c'est exactement ça que je vais faire. Pour accentuer cette peau de cadavre, j'utilise une vieille brosse à dents. Non, en fait, c'est ma brosse à dents tous les jours, mais... Parce que des fois, je dis vraiment des trucs cons. Donc, je vais utiliser une vieille brosse à dents et je vais éclabousser mon visage avec du noir, la peinture noire. Et ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas assez liquide. Voilà. On a pris plein dans les yeux là. Je vais faire la même chose avec du violet foncé. Alors en fait je vais pas utiliser ma brosse à dents parce que ça va faire trop d'éclaboussures. Je vais prendre un pinceau fin et je vais juste dessiner des taches en fait. Alors pour voir un peu plus clair, je vais peindre l'intérieur des blessures. Comme ça je verrai un petit peu mieux ce que je peux rajouter sur la peau. Je vais commencer par les remplir de rouge. Alors, en fait, je suis en train de me dire que comme j'ai un fond vert, ça, je dois le peindre en vert pour que ça disparaisse avec le fond vert, mais du coup, je vais m'enlever l'oreille aussi. Bon, je vais laisser sécher, je mettrai une deuxième couche. Je vais aussi avoir une plaie ici, là, enfin un trou, je veux dire. What? Oh non! Truc là, elle est nulle. Cette bald cap là, c'est vraiment pourri. Je vais coller des cheveux dessus parce que c'est trop moche. Voilà. Ensuite, on en a une toute petite ici. Maintenant, je vais commencer à dessiner les dents de mon zombie. Ok, voilà la base de mes dents. Alors, je vais donner à mon zombie des dents dégueulasses quand même. Bon, elles sont pas forcément très jolies là, vu qu'elles sont jaunes. Mais je vais encore plus les dégueulasser. Je vais rajouter du marron sur la partie supérieure des dents du haut et inférieure sur la partie des dents du bas. Je vais rajouter un peu de blanc. Je vais accentuer la profondeur de la plaie en utilisant de la poudre noire que je place sur les bords en fait, de la blessure. Et je crois que j'ai pris un pinceau trop gros en fait. Je vais utiliser du rouge un peu plus clair pour faire les gencives un peu. Et voilà, je l'ai encore fait. Donc j'ai fait, mais j'ai pas filmé. En fait, j'ai pris de la poudre et j'ai tracé ici. Un creux, un effet de creux en fait. Autour là, je vais mettre du blanc. Ici, je mets la poudre noire. Je mets du noir sur les bords.
Je vais faire les autres plaies. Donc même chose, j'utilise la poudre noire que je vais mettre dans la partie intérieure. En fait, ici, je vais peindre tout noir, donc je vois pourquoi je m'embête. À partir de là, ça va devenir de plus en plus foncé. C'est dégueulasse, hein. Cette bold cap, là, elle est vraiment pourrie. Si c'était comme ça, ce serait bien, mais ça n'est pas le cas. De toute façon, je vais coller des cheveux. Alors, tant pis. Je prends des cheveux là, je vais les coller par-dessus. Hein? Voilà. Bon. Alors, je vais mettre du noir autour de l'œil pour un petit peu donner une vision de trou. Parce qu'après, je vais mettre les lentilles blanches là, d'aveugle. Alors maintenant, je vais faire le contour des blessures avec de la crème. C'est pas tout à fait blanc, c'est blanc jaunâtre. Alors je vais faire les ombres autour de la lèvre. Alors, j'en ai un petit peu marre de mon truc là, bossu. Donc, enfin, bossu pointu, je vais mettre des cheveux là. Donc, je mets de la colle un peu partout, à l'arrache, sur le dessus de la tête. Et en fait, j'ai découpé des cheveux d'une perruque que j'utilise jamais. Enfin, de toute façon, j'allais pas me couper mes cheveux quand même. J'aurais pu, hein, mais j'avais pas très envie. Bon, c'est pas la coupe de cheveux de zombie de l'année, mais c'est pas mal. Donc, on va prendre du violet et on va... c'est pas un miroir. Et on va creuser bah, l'os de l'œil, là, comme ça. Ok, je vais mettre du noir. Un peu de blanc pour faire de la lumière. Bon là j'apporte toutes les finitions, donc je sais pas trop comment vous expliquer, je creuse les joues, je crée des ombres, j'essaie de me rendre un peu plus squelettique, un peu plus morte. Alors je vais me faire des narines dégueulasses. Ça me dégoûte. Allez, je vais rajouter un peu de rouge partout là. Alors, j'ai mis une vieille chemise. Ce que je vais faire, c'est que je vais me salir le cou. Du orange. Voilà, on s'en fout, c'est juste pour... Quelle horreur, je suis horrible. Alors maintenant, je prends mon sang... Attends, je vais faire comme ça, vous y voyez. Mon sang en spray. Ok, c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre le sang... Oh, ça me gratte. De Mayron, j'adore ce sang, il est trop bien fait.
peux le laisser couler. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Ah, ça coule sur mon sourcil, sur mon cil. Oh, allez, tombe. Tombe. Ok, maintenant je vais finir en mettant les lentilles. Enfin, je vais en mettre qu'une, je pense. Parce que je vais fermer cet œil. Ah, oh, j'ai du sang qui coule là. Donc, je vais mettre une lentille blanche là, sur ce œil là. J'espère que je vais pas galérer. J'ai jamais mis des lentilles toutes blanches comme ça. Et je sais pas si je vais y voir avec en fait. Allez, ben voilà, encore je fais tomber mes lentilles comme d'habitude. Je sais pas, je n'y arrive pas. J'ai des pieds à la place des doigts. Évite d'avoir des cheveux sur les doigts. Tant qu'à faire, je vais éviter. Parce que c'est pas très pratique. En plus, c'est l'œil que je déteste. Génial. C'est dégueulasse, ses yeux, c'est vraiment horrible. Ces lentilles sont hyper confortables, je tiens à le dire. Je les sens pas du tout, elles sont hyper souples, je sais pas. C'est les lentilles les plus agréables que j'ai eu à porter et c'est forcément les plus moches, entre guillemets. Enfin bref. Défle-toi. Bon. Bon ben voilà, c'est fini. J'ai du sang partout, je goûte dans mon bureau, il y en a partout, sur mon téléphone, sur mon écran d'ordi. Donc je vais pas rester. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu n'importe quoi, mais je pense quand même que c'est pas trop mal. J'en ai partout, ça me dégoûte. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que je me suis déboîté le dos en faisant ça. Bon, allez, ciao.